We are going to begin now, and let's first give the word here to the director of the CADIS, Professor Philippe Bataille, who happens to be very supportive of this event, and we really appreciate his support, institutional support, for making this possible. So, Philippe. Merci de proposer, m'inviter à dire quelques mots pour votre colloque, votre ouverture. En tant que directeur du CADIS, effectivement, je le fais pour souligner la double importance de ce colloque en remerciant ses organisateurs et en saluant la performance d'Alexandra. Et en tant que représentant du personnel et responsable d'Alexandra, je préfère d'être attentif. Donc merci à tous. Je sais que la salle va se remplir, mais je trouve que déjà on voit qui suit ce colloque et l'importance qu'il faut y accorder. Moi, je souligne deux thèmes. D'abord, une importance pour les liens scientifiques du laboratoire avec Berkeley de multiples manières, fondée sur de multiples circulations, des échanges scientifiques entre les universités et entre nos institutions de recherche. Le faire, c'est souligner l'inscription de l'islamophobie comme thème de recherche. Et c'est la deuxième importance, évidemment, je tiens à souligner, à savoir la contribution de la science, de nos disciplines, sciences humaines et sociales, pour reconnaître l'islamophobie, car elle existe, et plus encore lorsque l'on ne la reconnaît pas, c'est-à-dire lorsque l'on ne fait pas l'effort qui va être le vôtre de savoir nommer et de savoir construire des objets et des outils de recherche pour mieux connaître le phénomène. Il n'est pas nouveau, on le sait, mais il adopte des expressions nouvelles, systémiques, à force d'être systématique, notamment à l'échelle des représentations sociales. Vous le voyez, vous le savez, vous êtes là pour ça. Faire des études sur l'islamophobie, nous le savons, et le programme que j'ai lu entièrement, et vos résumés que j'ai tous lus, l'indique, ne saurait se couper des liens avec les recherches sur le racisme et les discriminations, notamment dans les dynamiques françaises, celles qu'on a pu réaliser dans ce laboratoire, pas seulement, mais dans ce laboratoire tout de même, fin des années 90 et au cours des années 2000, rendant évident, même si nous ne l'avons pas souligné assez à l'époque, les discriminations religieuses avec une hostilité déclarée à l'islam. Je ferai passer dans l'après-midi une HDR, celle de Biennale de Cheva à Nanterre, sur la diversité, sur l'ethnicité, sur le racisme, sur les discriminations. Et je suis heureux ce matin, effectivement, d'appuyer le thème de l'islamophobie, qui, y compris dans la revisite des années 90-2000 sur les thématiques évoquées, des discriminations jusqu'à l'ethnicité, le multiculturalisme, n'évoque que très peu l'islamophobie. Mais à suivre, la somme des discriminations islamophobes systémiques interroge sur la pertinence du retour au terme du racisme, mais surtout interroge le rôle de la politique, la responsabilité de l'État en France aujourd'hui dans la production du racisme, dès lors que la réalité quotidienne est tramée pour l'expérience de l'islam, précisément dans l'espace national, des ressentis du racisme. Est en cause, de manière systématique, la visibilité de l'islam que d'autres encore phosphorisent à souhait, jusqu'à l'insulte, la vexation et l'utilisation raciste de ces représentations sociales à l'échelle du politique. J'en termine. Mon mot d'accueil est alors de vous souhaiter d'être politique et scientifique, ni dogmatique, ni pragmatique, mais éthique et en alerte, pour mieux cerner l'objet et pour l'aborder avec méthode, pour mieux produire des connaissances qui nous manquent, pour être critique
ce qui est la finalité de la science, en tout cas de nos efforts et de la production de la connaissance. La science est critique en sciences humaines et sociales. La sociologie doit renouveler ses perspectives critiques et faire ressortir ici, aujourd'hui, dans cette salle, dans ce colloque transnational, transatlantique, le thème de l'islamophobie est en soi une manière de s'engager à vouloir soulever le voile qui est ici, le voile de l'ignorance et du mépris. Merci pour votre engagement scientifique et pour votre travail, dont le CADIS se fait fort dans répercuter les résultats. Ce colloque est évidemment un point de départ. Thank you very much, Philippe, for opening the floor this way. I think we need to be very ethical and scientific in the next 2 days here. Let me give the word for a few minutes also to Hatem Basyan, who is the director of Race and Gender at Berkeley. He's the director of the Islamophobia Research Project. And that is within the Center for Race and Gender at UC Berkeley, and he would like to say a few words, so welcome. Good morning, and salam alaikum for those who speak. Good morning, and bonjour, and salam alaikum for our Arabic-speaking participants. First, I'd like to thank everyone who submitted abstracts, put up with a lot of the back and forth for getting this conference off the ground. This is a unique opportunity for transatlantic research and work on Islamophobia. And at the Center for Race and Gender through the Islamophobia Research and Documentation Project, we've been working to develop a global network that is dedicated to the systematic work on Islamophobia, both theorization as well as research that is founded on sound scientific methodology, because we found, at least from the academic discourse, there is a distance from dealing with Islamophobia as a category within racial discrimination and the otherization process. And therefore, as one step to begin dealing with the multitude of problems emerging from Islamophobia, this effort at UC Berkeley and now through CADIS, as well as other institutions around the globe. I would say that we have approximately 200 researchers around the globe, extending from Russia to Australia to Canada, US, Argentina, the Middle East, all of Europe, and the US. And we are hoping that this continuous effort will make a difference. When Ramon said that we don't have the microphones working, I said, don't worry, we'll get, ask the NSA to give us a recording of the proceedings, and therefore we don't have to worry that our statements are missing, because they seem to be recording everything. So this aspect of understanding that Islamophobia, which started at otherizing and targeting Muslims, now includes everyone, including your own president in Holland, Merkel, and others, and now it becomes a problem. So when it was targeting Muslims, it was not a problem because the other is expected to be monitored, but now, as we know, it begins at the margins and then it covers everyone in the society. Our interest, at least from Berkeley in here, not to say that interest by itself is governing these proceedings, is actually to get your papers, and I'm gonna be putting a plug for the Islamophobia Studies Journal. So for those who are writing papers and presenting, I will definitely go after you to get your paper, and hopefully it will be written, not in digital form, in your mind. And hopefully once that's written, please submit it so we'll be able to publish it. We're about to publish the second issue, which should be coming up at the end of this month, and hopefully the proceedings of this conference will go into the fall issue of the Islamophobia Studies Journal.
We will be having another conference in Berkeley in April. It's April 14th through 19th. It's 1 week because we're tagging with the Asian American Studies Association conference that is taking place at San Francisco. And I encourage everyone to submit abstracts. The title that we're working with for the April conference is Latent and Manifest Islamophobia, using Edward Said's Latent and Manifest Orientalism as a way to ground our understanding of the phenomena. So I encourage, the call for paper is out, and there's still some time for all of you to submit abstracts. So thank you for coming to this, and hopefully it will be a rich conversation. The last plug, if you are tweeting or Twittering or Facebooking, we do have an active Twitter group in the US right now working with this conference. So anything that you put out, they will actually put and continue the conversation to have a global engagement. This is something that we did in the last conferences at Berkeley, which gives us a continuous conversation about Islamophobia. So I encourage you to use the modes of communication, the internet, to expand the conversation from this room. Thank you. Thank you, Hatem. I want to give the word now to a crucial actor of organizing this conference, without whom we won't be here. And that is Professor Alexandra Poli, who is a researcher at the CADIS and has been fundamental and crucial for being able to organize this conference. So I want to appreciate and say thank you to you now before you start talking about all the effort you have put forward to make this possible. So Alexandra, it's your word. Merci Ramon, bonjour et bienvenue à tous. Alors après ce premier moment d'introduction en français, en anglais, donc je reviens au français. Comme vous le savez, nous avons tenu à assurer le bilinguisme dans cette conférence en organisant alors non pas les conditions d'une traduction simultanée, mais d'une traduction synthétique qui se fera donc à l'issue de chaque panel et dans le cours des échanges qu'il y aura après chaque panel. Donc je remercie à ce propos Abdelali Ajat et Marwan Mohamed qui m'ont non seulement soufflé le mot de la formule, mais aussi mis en contact avec Marwan Mohamed, le porte-parole du collectif contre l'islamophobie, et Olivier Estève, qui est maître de conférence à Lille, qui vont nous rejoindre très prochainement et qui vont assurer cette lourde tâche de la traduction synthétique. Alors c'est pour les aider justement qu'on sera assez intransigeant sur le temps de parole qui est, je vous le rappelle, donc pour chaque intervenant de 20 minutes. Quelques mots sur l'organisation de ce colloque, qui est d'abord le fruit d'une collaboration de plusieurs années entre le CADIS et l'Université de Berkeley. Au fil des années, je me suis jointe à cette collaboration qui initialement s'est faite entre Yvon Le Bot, Michel Viviorca et Ramon Grossvogel. Et même si j'ai davantage travaillé avec Ramon donc sur la question des migrations transnationales, cela fait plusieurs années qu'on partage nos réflexions sur le racisme, sur les discriminations raciales. Et lorsqu'il m'a proposé d'organiser un colloque sur l'islamophobie, thème sur lequel je n'ai pas directement travaillé, mais vers lequel toutes mes recherches sur les discriminations m'ont appelé à me questionner et à travailler, j'ai tout de suite eu envie de m'engager et aussi, bien sûr, d'engager le CADIS. Et je remercie Philippe Bataille, donc, qui était là il y a quelques instants, qui donc a accepté d'engager le CADIS, qui a toujours montré un intérêt particulier pour la question du racisme, des discriminations et plus largement de la place réservée aux différences en France, comme dans de nombreux pays. Je rappelle ici les travaux pionniers de Michel Viviorca, de Farhad Khosrokavar, de Nassira Guenif et de Philippe Bataille. Alors, notre ambition avec cette conférence internationale, c'est de réfléchir à ce qui fonde dans la pratique l'islamophobie, en dégageant évidemment ces diverses manifestations qui trouvent, comme on le sait, une visibilité extrêmement contrastée et particulièrement controversée.
L'islamophobie, de quelques noms qu'on la désigne, est un phénomène qui jaillit en plusieurs lieux et de multiples manières. Et donc c'est sur cette diversité que ce colloque souhaiterait donc attirer l'attention pour réfléchir aux enjeux de la compréhension et de la reconnaissance de l'islamophobie dans différents contextes. Donc on va, je dirais, explorer tout au long des panels qui vont se succéder durant ces deux journées, tout un espace de questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise l'islamophobie aujourd'hui? De quelles données disposons-nous? Dans quelques instants, Marwan Mohamed va nous parler de la question de la mesure. Quel phénomène participe à sa construction? On pourrait poser l'hypothèse que la grande nouveauté de l'islamophobie contemporaine, et notamment dans la façon dont la scène politico-médiatique est agitée à la fois par ce qu'on peut appeler des affaires, indiquant donc le maintien d'une forme classique de rejet de l'islam, et des scandales à répétition dans lesquels les questions que pose la présence de musulmans dans divers pays se télescopent avec celles de l'islamophobie. De la même manière, de nombreux observateurs ont suggéré l'existence d'un lien entre l'islamophobie à l'échelle globale et la recrudescence entre le terrorisme à l'échelle globale et la recrudescence de l'islamophobie. Cependant, dans quelle mesure le phénomène est justement subordonné à ces événements? Est-ce qu'il fonctionne finalement de manière beaucoup plus continue que par rapport à ces événements? On abordera ces questions notamment dans le panel qui traitera de l'islamophobie, donc au-delà des frontières nationales. Les formes de réactivité face à l'islamophobie ont également changé. Donc depuis une dizaine d'années, l'espace associatif, mais aussi l'espace académique, pour ne citer que ces deux exemples, ont investi de manière renouvelée la question. Et on visitera, on explorera également dans plusieurs panels ces aspects de nouvelles formes de mobilisation par rapport à l'islamophobie. Enfin, face à la diversité de faits donc, que nous allons étudier, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'apprécier correctement l'importance de l'islamophobie? Les deux registres qu'on peut distinguer, celui du climat et celui des actes graves, ne correspondent pas forcément. Et donc tenter de comprendre l'islamophobie à la lumière des affaires et des scandales ne permet pas de rendre compte de ce climat général qu'on abordera également dans ce colloque. Diverses rencontres se sont faites autour du thème de l'islamophobie. Nous ne sommes pas le premier colloque qui traite de cette question. Plusieurs rencontres, davantage peut-être dans d'autres pays européens. En France, je tiens néanmoins à rappeler qu'il y a eu un important colloque cette année, en avril, organisé par le CCIF et Salam à Sciences Po, sous la direction scientifique de Marwan Mohamed, et qui posait cette question de comment s'est construit le problème musulman. Enfin, donc, cette conférence s'inscrit, nous l'espérons avec Ramon, dans une série de rencontres. Nous espérons en faire un rendez-vous annuel. Voilà, j'espère que les résultats de ce premier colloque nous aideront en tout cas à en organiser un autre dès l'an prochain. Et je tiens à remercier Zourben Salah, qui n'est pas là, mais avec laquelle vous avez été pour beaucoup d'entre vous en contact et qui a vraiment beaucoup œuvré pour la réussite et l'organisation de ce colloque. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Avec cette introduction, je voudrais dire des choses très brefs. I'm the one speaking English. Yes, so, with that introduction, I would like to say something very brief.
which is that to set the tone of the conference. I mean, there's going to be disagreements here and there, there's going to be debates, but the most important thing is that we are in an academic setting and we have to have respect, okay? Respect, we can debate, but with respect. Right? I mean, I want to set up the tone from the beginning about that. And second thing is that we're going to be very strict about time, because we have put a lot of panels in one day, many papers, and so we're going to watch the time in a very, I don't know, authoritarian way, maybe that's the word. Because if not, we'll be, I mean, this place will be closed, I don't know, around 7:30, you know, and so we have to be out of this building. So, and we would like to really have everybody presenting their papers, the ones who are assigned for today. And last thing is to remember and reiterate that we have both the papers that we're planning to publish in the journal on Islamophobia we produced from Berkeley, from the Center of Race and Gender. So please, the papers, you know, work on the papers, have them ready and send it to us for publication. And finally, that as Alexandra said in her presentation, that we are planning that this is a beginning of, you know, more events in the future. We're planning to have an annual event on the topic. And so we're looking forward to continue the collaboration. And in that sense, we ask from everybody the best effort to make this a success story in our first, okay, event, so that we are ready to move on to the second, okay? So thank you very much, and we're going to begin immediately with the first panel, okay?